Alors, salut les pirates, le chapitre 1047 est sorti, donc on va en parler ensemble. Honnêtement, j'ai kiffé le chapitre, parce qu'on parle un peu de Roger et Shanks à l'intérieur. Je pense que ça ferait kiffer n'importe qui. Mais avant d'en parler, si vous aimez One Piece, partez à l'aventure avec nous. Mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous et mettez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Il y a des vidéos sur Shanks, Roger, mais aussi Barbe Blanche qui sortiront bientôt, donc ne ratez rien. Allez, on passe au chapitre maintenant. Le nom du chapitre est le ciel de la capitale. Et sur la cover page, on peut voir les Mugiwara qui sont à la plage avec Momo sous sa forme de dragon. Alors, le chapitre commence directement avec ce dernier. On peut le voir justement avec Yamato qui essaie de l'encourager à utiliser ses nuages de flammes. Mais comme il est toujours un enfant dans son cœur, Momo a du mal à avoir confiance en lui et doute du fait de pouvoir le faire. Mais c'est à ce moment-là justement qu'il se rappelle de sa séparation avec Toki et Iori dans le château brûlant d'Oden. Le flashback commence. Toki avait confié à Momo la mission de restaurer le clan Kozuki avec ses vassaux. Mais Momo ne voulait pas quitter sa mère et encore moins porter cette charge. Mais c'est là que Kinemon est intervenu pour motiver Momonosuke en lui demandant de leur donner une dernière chance d'avoir un endroit où mourir en se battant pour leur seigneur en tant que guerrier. Et c'est justement après avoir entendu ce discours que Momonosuke a pu rassembler la volonté et le courage nécessaire pour prendre la décision de partir pour le futur et aussi de porter le poids de restaurer son clan. À la fin du flashback, on peut voir le Momo du présent se rappeler qu'il ne peut pas justement faire face à sa mère de la sorte. Et on le voit se motiver. Mais l'île est en train de se rapprocher de plus en plus de la capitale. Et avant de voir ce que Momo va faire, on coupe vers le combat décisif de Luffy contre Kaido. Kaido est en train de rigoler du fait que Luffy maintenant arrive même à saisir les éclairs. Et il trouve ça ridicule. Et franchement, je pense que tout le monde est surpris par ce que Luffy arrive à faire avec l'évolution de son fruit. Et c'est à ce moment-là que Luffy utilise sa technique du dernier chapitre qui s'appelle le Gomu Gomu no Thunder. Mais Kaido arrive à esquiver l'attaque et lui dit de s'en donner à plein cœur. Et c'est là qu'une parole importante de Kaido est dite. C'est en renvoyant Luffy d'un coup brutal de son kanabo couvert de haki des rois que Kaido révèle qu'il n'existe pas de pouvoir d'un fruit du démon permettant de contrôler le monde. Alors qu'il passe Luffy à tabac, il rajoute que tout comme Roger, quelqu'un a réussi à atteindre le succès dans ce monde sans fruit du démon, avant de rajouter que le haki surpasse tout. Donc, je pense qu'on sait tous à qui Kaido fait référence, un empereur des mers et le mentor de Luffy, favori de beaucoup de fans, Shanks. Il est clair que pour rivaliser avec des monstres possédant des fruits du démon comme Kaido, Big Mom et Barbe Noire, Shanks devrait avoir quelque chose de spécial, son haki, plus précisément son haki des rois. On l'a dit plusieurs fois sur cette chaîne, Shanks sera sûrement le meilleur utilisateur de haki des rois de l'œuvre lorsqu'on le verra en action. Donc, c'est bien de recevoir ce genre de clin d'œil de l'auteur, mais quand on y pense, Roger, Rayleigh, Garp, Shanks et Mihawk sont les seuls top tier connus sans fruit du démon. Et si le haki surpasse tout, alors ils sont probablement hyper puissants dans leur haki de prédilection respectif. Je rappelle que Kaido a précisé haki de manière générale, donc tous les types, pas seulement le haki des rois. Donc attendez-vous à des vidéos sur Shanks, Mihawk, Roger et les non-utilisateurs de fruits du démon pour bientôt. Maintenant, revenons-en au chapitre. Kaido continue à passer Luffy à tabac et utilise une nouvelle technique qui s'appelle le Daitoku Raime Haki, qui arrive justement à sonner Luffy. Mais on peut voir Luffy continuer à s'accrocher à Kaido. Il le saisit notamment par le torse et s'envole dans les nuages. Kaido utilise en retour ses lames de vent sur Luffy, qui arrive à lui faire des dégâts considérables, mais Luffy persiste. Ça aussi, c'est une confirmation que les attaques tranchantes sont toujours le talon d'Achille de Luffy. Donc voilà, Luffy a toujours un petit point faible. C'est à ce moment qu'on voit que le festival du feu est fini dans la capitale. Les habitants de Wano sont en train d'envoyer leurs lanternes dans les cieux, avec leur vœu inscrit de vouloir vivre, même si ce n'est qu'un an de plus, et qu'ils savent qu'à partir de demain, la vie d'esclave continuera. Je pense que la fin de la bataille est arrivée, parce que Oda il essaye de coordonner les souhaits des habitants de Wano par justement le lancer de lanternes, avec la défaite de Kaido, pour donner justement à la victoire de Luffy un aspect prophétique qui va justement avec son statut de Joy Boy. Même si on voit Luffy en train de lutter contre Kaido et on le voit se prendre un Breath Weapon de la part de ce dernier, il tient toujours Kaido et ne le lâche pas. On voit aussi les membres de l'Alliance Samouraï, dont Yogoro,
s'apprêter pour la fin de bataille, peu importe l'issue. Et on les voit contempler la possibilité que Luffy gagne, étant donné que les nuages de flammes de Kaido s'affaiblissent. Ils se mettent donc tous à encourager Luffy, ce qui donne vraiment un air de climax au combat et même au chapitre de manière générale. On voit aussi Usopp courir en hurlant qu'il ne mourra pas ici et qu'il vivra par tous les moyens, ce qui donne un petit ton aussi comique au passage. J'aurais vraiment aimé quand même qu'Usopp ait eu un moment plus décisif dans cette bataille, parce que comme Brook, ils n'ont pas vraiment eu de moment à eux, donc ce serait bien si Oda pourrait leur donner un peu d'action avant la fin de la guerre, ou peut-être à la fin de la guerre contre le CP0, qui sait. C'est pendant qu'il est en train de courir qu'Usopp se retrouve surpris par le courant d'eau de Jinbei et Raizo du dernier chapitre. On voit aussi Orochi qui a réussi, grâce au tremblement de l'île, à perdre son clou de granit marin. On le voit aussi transformé en hydre et il s'apprête à attaquer Iori qui est terrifié. Il faut préciser qu'Orochi dit vouloir l'emmener dans la tombe avec lui puisqu'il est aussi en train de brûler. Donc, est-ce que quelqu'un interviendra ou est-ce que l'eau de Jinbei et Raizo viendra l'affaiblir? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est à ce moment-là qu'on arrive au moment final où on peut voir Luffy conjurer un point plus gros que le château d'Onigashima et charger en Haki des Rois, qu'il se prépare à utiliser justement contre Kaido. Selon Yamato, le coup pourrait potentiellement passer à travers toute l'île, mais Luffy dit qu'il fait confiance à Momo pour gérer le reste. Et à mon avis, je pense que Momo va réussir à utiliser ses nuages de feu et va déplacer l'île juste assez pour que le coup de Luffy ne la touche pas. Parce que sinon, le coup de Luffy sera tellement puissant que beaucoup d'alliés vont y passer. Donc, pour moi, c'est la seule issue que je vois. Mais donnez-moi vos avis sur comment la situation va évoluer. Et c'est donc là que le chapitre se termine. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé du chapitre? Est-ce que vous pensez qu'on est arrivé à la fin de la bataille? Est-ce que Momo va réussir à déplacer l'île à temps? Donnez-moi vos avis en commentaire. On aura une pause la semaine prochaine, mais comptez sur moi pour sortir des vidéos pour vous. En attendant, si la vidéo vous a plu, mettez un j'aime, abonnez-vous pour venir renverser le monde avec nous et mettez la cloche pour savoir dès qu'une nouvelle vidéo sort. N'oubliez pas, si on s'est rencontrés, c'était le destin qui l'a voulu. Alors, montez à bord du navire, direction le One Piece. La vidéo touche à sa fin, donc merci d'avoir suivi. C'était Manga Monde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. À bientôt les pirates.